gens de l'internet, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une magnifique journée. On se retrouve en compagnie de Fuse MC. Comment vas-tu? Ouais. Et de mon ami Xylos. Comment vas-tu, Xylos? Oh, bien. Oh. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve en compagnie de mes copains Xylos et Fuse pour une petite présentation du serveur. Fuse, je te laisse le dire. Aptesia, voilà. Oh. Voilà, beau gosse, Fuse, beau gosse. Donc, les amis, la chaîne de Fuse et d'Exilio seront dans la description. J'aimerais que vous ayez vous abonner, les amis, parce que c'est des copains à moi. Ils sont super gentils, ils font des vidéos presque tous les jours pour Fuse. Exilio, s'il en fait pas, mais c'est un noob, donc c'est pas grave. Donc, les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce serveur-là, parce que c'est le serveur d'un ancien ami à moi. Enfin, un ancien ami, juste que je change de pseudo, là, mais c'est un ami à moi qui avait un serveur avant et tout, enfin... Je me suis dit pourquoi pas, il y a Fuse qui joue un peu dessus et tout, peut-être qu'on va jouer dessus. Enfin, sûrement qu'on va jouer dessus, donc venez nous rejoindre les copains, venez. Il y a plein de trucs inédits, donc on va commencer par vous présenter le spawn, ensuite les trucs inédits. Donc Fuse, je t'attends au spawn. For home cette fois-ci. Vas-y. Ouais, j'étais où avant. Je vais vous montrer un peu le spawn que je trouve sincèrement, les amis, magnifique. Regardez-moi l'aigle qui est là, les murailles et tout. Enfin, c'est trop beau, j'attends Fuse et on va aller faire ce qu'on a à faire. Donc moi j'ai pas de grade et tout, Fuse est youtubeur, donc voilà, je te suis Fuse. Ma mini youtubeur, je crois, normalement. Ouais, je dois faire une vidéo, les amis, pour avoir un grade, donc c'est chaud, quoi. Allez, go Fuse. Je te laisse me présenter le spawn. Bah, attends, au pire, ouais, ici il y a les keybox, en gros, bah, comme les clés, quoi, sur tous les serveurs maintenant. Ouais, bon, en gros, ouais, le keybox normal, pour quoi, les gains. On peut gagner spawner à blaze, spawner à golem, pigman, 5 of the creeper, 2 beacons, 15 pump cheat, 5 éponges et 9 blocs de diam. Même chose dans celle-ci, ok, super. Ouais, c'est même. Même chose partout, j'imagine. Ouais, c'est pareil, ouais. Okay, okay. Bah là-bas, il y a les portails du Nether, et puis là-bas, il y a l'End, et puis normalement, portail du Nether, PNJ, PNJ par là-bas. Quelque part, il y a des PNJ, je sais pas c'est où. Ok, c'est quoi qu'ils font à ces PNJ? Bah, pure slash workshop. Workshop. Ok, je t'écoute. C'est toi le patron, hein? C'est toi le patron? Je connais pas vraiment, mais je connais un peu de trucs, voilà. Ok, ok. Alors voilà, en gros ici on peut vendre la canne à sucre et les melons de blocs. Ok. Pour acheter des objets creepers. Et on peut aussi vendre le cactus. En fait on peut acheter des objets creepers. Okay, faire slash shop ici. En gros on peut acheter. Vous n'avez pas accès au shop nourriture. En gros on peut acheter des minerais, ok. On peut acheter des objets PVP, ok. Retour. Des potions, ok. Ouais, ok, après, truc du pillage. Mais on peut pas acheter des œufs de creep et tout, non? Ici, devant toi. Ah, ok. Creeper egg. Ah, ok, ça c'est le truc okay, spécial, quoi, en gros. Ok, je comprends. En gros, le nouveau truc, en gros, 2 TNT, ça fait. Toi, je sais pas comment dire, mais je crois que ça lance un TNT, quoi. En gros, comme une perle, quoi. C'est une TNT qui se lance, quoi. En gros, voilà. C'est comme une perle que vous lancez, boum, comme ça, en gros, voilà. Avec la main. Ensuite. La gun, je crois que ça fait une putain d'explosion, un truc du genre. Je suis pas sûr, mais perle slash help. Ok, ok. Ensuite, le parachute. TNT toxique. This is a parachute, this is right click to activate. En gros, vous perdez pas de dégâts chute quand vous l'activez, ça vous fait une animation, j'imagine, au-dessus. Super bien. Okay, et puis le set de soins, en gros, de pommes d'or ou de pommes shit, je sais pas. Puis potion de régène et vous avez un sceptre de heal. Ah, c'est cool ça, c'est cool. En gros, le sceptre de heal, bon, c'est comme sur les launchers, vous pouvez vous heal et tout. Ça, c'est stylé, j'aime bien. Ici, on fait slash help, les inédits du serveur, le serveur possède des parachutes utiles pour descendre une montagne ou se sauver lors d'un PVP. Le TNT radar, bien que vous trouvez des bases ou autres, ou trouvez des gens autour de vous, utilisable seulement avec un dispenser, lance un livre avec écrit dedans. Où sont les joueurs sur un radius de 100 blocs. Ok. La TNT toxique utile pour se sauver lors d'un PVP sur un radius de 5 blocs. Lance un effet de blindness et slowness, excusez-moi. J'ai difficulté à lire en français comme vous avez pu témoigner les amis. La TNT dynamique utile lors d'un pillage lance du feu et fait un cratère sur un radius de 20 blocs. La TNT flèche utile pour se sauver lance 300 flèches sur un radius de 30 blocs. Wow. Le piscine est cassable avec seulement 15 coups de TNT. Faites slap shop pour disposer de plusieurs infos. KOTH le vendredi à 18h. L'eau inédit, exemple, sharpness 5, protection 5, etc. Ok. Stylé comme nouveau truc. En fait, moi j'adore le concept des parachutes et des trucs comme ça. Je trouve ça super intéressant. Je vais aller voir ici qu'est-ce qu'il y a. Il y a d'autres choses qu'on doit savoir ou pas? Bah ici c'est le staff. Okay. Je crois qu'ils vont recruter des modos. J'ai vu ça tout à l'heure.
Après, je sais pas vraiment, je connais pas vraiment le sort Ok, poker, ici on mais. peut voir, ok, il y a un scoreboard, on peut voir le nombre de notre faction, le power qu'on a, nous, Ouais, le je nombre l'ai de connecté. connectés, etc. Ok. Super, table enchante ici, on clume de ce Ouais, côté-là. gentil. Ah ouais, c'est stylé quand même. Et là, ensuite, quand on va là, c'est la C'est Warzone, la j'imagine. Warzone. Ouais, Eh, elle est. j'adore le spawn, mon pote, en vrai. Je la Ouais, puis trouve la Warzone, je trouve qu'elle est. Ouais, magnifique. elle est super plate, la Warzone, normalement, je sais plus. Ok, je vais sauter, Pas la pire, attention. voilà. J'espère pas me faire tuer. Protégez-moi au pire. Ouais, t'inquiète. Donc ouais, la Warzone, oh ouais, quand même, hein. Assez plate, mais pas trop, parce qu'il y a les montagnes là. Oh ouais, c'est stylé. C'est pla... Excusez, c'est pour plaire à tous les gens qui aiment tout type de PvP faction. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. Le serveur des TNT spécial et tout, les amis, comme vous avez témoigné. Je vais juste vite Ouais, fait aller vite fait jusqu'aux quoi. AP pour vous montrer que Ouais, c'est quand même... c'est là. Genre ici c'est un petit bac à paix. Ouais, c'est un Ouais. petit bac à paix. La Warzone est quand même assez courte, mais assez longue. Enfin, le spawn est quand même assez grand en largeur, donc voilà. Et là, ici, vous avez les montagnes anti-bac-à-pé. Et à Et partir puis je de... suis arrivé à paix. Là, vous pouvez aller PvP et faire votre faction. Donc, je vais quitter ma faction. FDSband, invitez-moi dans la boîte, s'il vous plaît. Soyez gentil pour une fois. Et j'ai invité en plus. Merci mon beau Fuse. Donc voilà les amis, moi je vais vous laisser là-dessus. C'est une petite vidéo aujourd'hui juste pour vous inviter à rejoindre les serveurs de mon copain. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Enfin, je pense pas. Comme j'ai dit les amis, le système de parachute, des trucs comme ça, c'est des trucs inédits. Je vois pas vraiment beaucoup de serveurs PvP faction qui fait ça. Et puis ça peut vraiment être intéressant au niveau du mode de jeu. Donc on va tester le serveur les amis, puis je vous dirai si j'aime bien ou pas. En ce moment, je me cherche, comme vous avez sûrement pu le remarquer, un serveur où ce que je pourrais faire un let's play. Donc dites-moi si c'est celui-ci, Alcasio ou les autres que vous voulez. Dites-moi le serveur ce que vous voulez qu'on fasse un let's play avec mes copains. Parce que voilà. Voilà, c'est tout les amis, c'est la compte de Pikachu. Internet compagnie Fuse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Fuse. Quand il y aura les 1000 abonnés Fuse, je vais faire tirer, je vais faire des concours et tout. On va faire des vidéos ensemble et tout, comme ça va être stylé, vous allez voir. Enfin, faut qu'ils soient nos 1000 abonnés avant que ça soit stylé, ok? Non, donc voilà les amis, j'espère que vous allez voir la chaîne de Fuse, la chaîne de mon ami Xyla. J'espère que vous allez venir faire un tour sur le serveur. L'IP est dans la description, le site aussi, je vous aime, c'était Icons. Passez une excellente soirée les amis. Bye!